Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'utilisation des groupes Facebook pour promouvoir des produits affiliés de manière efficace. Si vous êtes un affilié à la recherche d'une méthode puissante pour atteindre votre audience cible et générer des revenus grâce à l'affiliation, vous êtes au bon endroit. Dans ce guide pas à pas, nous allons vous montrer comment rejoindre des groupes Facebook pertinents à votre niche, participer activement en partageant du contenu utile et recommander des produits affiliés de manière stratégique pour maximiser vos chances de réussite. Les groupes Facebook sont des communautés actives où vous pouvez établir votre expertise, interagir avec une audience engagée et promouvoir vos produits affiliés de manière authentique. En partageant du contenu pertinent et en recommandant des produits de qualité, vous pouvez influencer positivement vos membres et accroître vos chances de conversion. Prêt à découvrir comment utiliser les groupes Facebook pour accroître votre présence et vos ventes en tant qu'affilié? Alors, continuez à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus de conseils sur le marketing d'affiliation et les stratégies de promotion en ligne. Commençons sans plus tarder. Étape 1. Identifiez les groupes Facebook pertinents. Recherchez des groupes Facebook actifs et pertinents à votre niche d'affiliation. Utilisez des mots-clés spécifiques pour trouver des groupes avec une audience cible correspondant à vos produits affiliés. Étape 2. Rejoignez les groupes de manière professionnelle. Demandez à rejoindre les groupes de manière professionnelle. Lorsque vous êtes accepté, lisez les règles et les directives du groupe pour vous assurer de respecter les règles de promotion. Étape 3. Soyez actif et participez régulièrement. Soyez actif dans les groupes en partageant du contenu utile et pertinent. Répondez aux questions des membres et participez aux discussions pour établir votre présence en tant qu'expert. Étape 4. Établissez votre crédibilité. Partagez des conseils, des astuces et des connaissances précieuses dans vos publications pour établir votre crédibilité en tant qu'affilié et gagner la confiance des membres. Étape 5. Identifiez les opportunités d'affiliation. Repérez les opportunités pour recommander des produits affiliés de manière naturelle. Attendez le bon moment dans les discussions pour partager vos recommandations. Étape 6. Utilisez des liens d'affiliation pertinents. Insérez des liens d'affiliation pertinents dans vos publications, mais veillez à ce qu'ils soient contextuels et utiles pour les membres. Étape 7. Soyez transparent sur votre statut d'affilié. Mentionnez clairement que vous êtes un affilié et que vous pouvez recevoir une commission si les membres achètent via vos liens d'affiliation. Étape 8. Restez authentique et honnête. Faites des recommandations honnêtes et sincères sur les produits affiliés que vous promouvez. Partagez vos expériences personnelles avec les produits pour inspirer la confiance. Étape 9. Suivez les performances de vos liens. Utilisez des liens d'affiliation traqués pour suivre les performances de vos recommandations. Analysez les clics et les conversions pour évaluer l'efficacité de vos efforts. Étape 10. Respectez les règles des groupes. Gardez à l'esprit les règles de promotion des groupes Facebook. Évitez de spammer ou de publier des contenus non pertinents pour préserver votre réputation. Nous espérons que ce guide vous a été utile pour utiliser les groupes Facebook pour promouvoir des produits affiliés de manière efficace. Mettez en pratique ces conseils et continuez à développer votre présence dans les communautés en ligne. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir plus de conseils sur le marketing d'affiliation et les stratégies de promotion en ligne. Bonne chance dans vos efforts de promotion d'affiliation dans les groupes Facebook. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne.